Là, je suis. Nous sommes ici, pas je suis, hein, nous sommes ici. On va pas dire envahis, mais nous avons de la compagnie. Tous ceux qui accompagnent le frère Chorakwetu, pour ne pas dire l'apôtre Chorakwetu, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir encore. Je crois que ça fait 3 ans, 4 ans, peut-être. Ouais, je pense qu'à peu près 3 ans. 3 ans que vous êtes passé ici. Et la dernière fois, nous avons reçu dans le hall là-bas. Quel sens donner au réveil de l'Église aujourd'hui? C'est le thème autour duquel nous allons discuter, et surtout parce que vous avez eu des activités autour du réveil ici à Brazzaville. Essayez de D'accord. nous en parler en 1 minute. Effectivement, nous sommes arrivés, comme vous pouvez le constater, avec une délégation de plus de 30 personnes. Et au sein de laquelle il y a des infirmiers, infirmières et des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui sont venus avec moi pour non seulement annoncer la parole, mais aussi soigner les démunis, parce qu'on est venu avec des médicaments, justement. Quand j'entends de telles inepties, On va y arriver. hein, je ne peux pas me taire et encore moins saluer un tel personnage. Et ça m'a complètement choqué, mais je pense que le Seigneur sera glorifié. Donc voilà, donc on a fait les deux Congos. Donc on a commencé par Kinshasa, où nous avons construit un centre hospitalier et inauguré en 2021. Et de 2021 à aujourd'hui, grâce au Seigneur, on a pu soigner plus de 14 000 personnes gratuitement. Et on a fait plusieurs opérations, une centaine. Et là, on est venu avec un médecin, un des plus grands chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest, le docteur Niaoui, qui présentement est en train de faire des opérations jusqu'au 15 de ce mois-ci. D'accord, vous avez parlé de la RDC, j'aurais commencé par là. OK. La disparition du révérend pasteur Baruti Kasongo, D'accord. leader, sinon fondateur de Baruti Tabernacle. D'accord. Un commentaire? Ben, j'ai appris son décès. Et je tiens à souligner que je n'aime pas trop commenter sur le décès des gens, sur la mort des gens, parce que nous allons tous passer par là. Donc, seul le Seigneur sait qui est qui et qui a fait quoi. Et il y a des gens qui peuvent être sauvés juste avant leur décès. Mais c'est un homme que je n'ai pas connu personnellement. Et Un donc, véritable je ne. serviteur de Jésus-Christ. Comment? Un véritable serviteur de Ah Jésus-Christ. ben, je ne le connaissais pas personnellement, donc je ne peux pas vraiment commenter. Je ne l'ai pas connu Vous avez vu, personnellement. c'est quand même ses œuvres à la télévision, Pas les beaucoup. miracles et tout ça. Non, je n'ai pas trop suivi ce qu'il faisait. Vous savez, je me focalise beaucoup plus sur mon maître, hein, Jésus-Christ de Nazareth, que je tiens à élever ce matin, Parce à qu'on nous a dit, ah, magnifier. on nous a dit, vous allez l'élever. On nous a dit tout à l'heure qu'il est aux enfers. Ben, c'est une hérésie, justement, On nous a parce qu'il y a démontré. une parole dans, justement, Apocalypse, Psaume, chapitre 16. Parce que ce monsieur se base à la fois sur la parole, sur la Bible, sur ce que le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ a dit, et en même temps sur, n'est-ce pas, ses imaginations. Donc je pense que vous allez m'accorder assez de temps, comme vous l'avez fait pour lui, pour que je puisse démonter toutes les inepties qui ont été déblatérées ce matin devant la Je vous population laisse, congolaise. je vous laisse. Donc nous sommes dans Psaume chapitre 16, nous allons lire le verset 10. Donc c'est un psaume messianique. Une parole prophétique que David, le roi David a annoncée. Donc il dit au verset 10, David dit ceci: Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant tes faces, des délices éternels à ta droite. Donc c'est une prophétie que David a donnée concernant justement la On résurrection, peut la la mort et comprendre. la résurrection du Messie, donc de Yehoshua HaMashiach, En fait, en on français, comprend. C'est bon. Jésus-Christ de Nazareth. Il est hors. Donc ici, David dit que le corps de Yehoshua HaMashiach, Je veux bien. son âme Voilà. particulièrement, n'allait pas être abandonnée dans le séjour de mort, le Sheol. Le Sheol, c'est l'équivalent grec, c'est un terme hébreu, et son équivalent grec, c'est Hadès. Donc, en français, c'est aussi, ce terme a été traduit par séjour de mort. Et David annonce que le Messie, son âme, n'allait pas être abandonnée dans le séjour de mort. Et ça, c'est David qui l'a dit. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, voici ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean nous ont enseigné et l'évangile qu'ils prêchaient. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1er.
Paul dit, « Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, et ensuite aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent, mais dont quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacob, donc à Jacques, et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Élohim. Mais par la grâce d'Élohim, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que eux tous, toutefois, non pas moi, mais la grâce d'Élohim qui est à moi. Et Paul dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous vous prêchons, que nous prêchons. Donc Paul dit que lui et les apôtres, Paul a dit cela, prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'était alors, même l'histoire alors, le valide. Paul, d'accord. Je pense que ce que la Bible nous apprend, il est resté chaste. Paul était, disons... Il n'a pas eu de femme. Il n'a pas de femme. Donc d'accord. Voilà. Maintenant, ici, puisque vous réagissez à ce qui a été dit, Monsieur Bonheur Branham nous a dit, par exemple, mm-hmm. il considère que la majorité, pour ceux qui sont non pas de sacerdoce, il n'y a pas de problème. Ils pensent que les pasteurs, les apôtres, tous ces gens-là, vous tous, vous êtes dans le faux parce que vous êtes mariés ou vous avez des femmes. Vous êtes, pour lui en fait, les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que pour la procréation, mm-hmm. donc pendant l'ovulation. Mm-hmm. Donc, tout pasteur déjà qui enfreint cette règle-là, est dans le faux. Il parle de la circoncision. Mm-hmm. Pour lui, il dit que c'est diabolique. Parce que lui, il est allé, il est reparti à l'hôpital. Derrière là, il y a un hôpital pour reconstituer son... Voilà, il a fait. Donc, pour se remettre en harmonie avec son créateur. Il dit aussi ceci, que par la foi, il ne peut plus aller à l'hôpital pour manger, pour prendre des médicaments. Donc, il se soigne par la foi, il est guéri par son créateur. Et tous ceux qui prennent des médicaments sont, dans le fond, en fait, sont voués à l'enfer. Ah ben là, ben je pense que, vous savez, ce que je constate en Afrique, pas seulement en Afrique, mais parlons de l'Afrique parce que nous y sommes, oui. notamment dans nos pays, donc en Afrique centrale, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes psychiatriques et qui méritent d'être soignés, honnêtement. Parce que pour dire de telles inepties, il faut vraiment être dérangé psychologiquement, au niveau de l'âme. Et parlons de ce qu'il a dit, notamment en disant que Elohim, donc le Créateur, a créé les races, chaque race dans sa contrée. Les Noirs, c'est en Afrique. Mais il a oublié de mentionner un fait. En Australie, les premiers habitants sont les aborigènes, les autochtones. Ce sont les Noirs qui ont été conquis par, n'est-ce pas, les Occidentaux, donc, qui sont partis là-bas, les Anglais, tout ça, et qui sont devenus aujourd'hui les Australiens blancs. Mais les premiers habitants sont des Noirs. En Nouvelle-Papouasie, vous avez également des Autochtones qui sont Noirs, aussi Noirs que vous et moi. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, bien sûr. Et donc, vous voyez qu'il y a un problème, il y a un problème au niveau de la... pas seulement au niveau du mental, mais au niveau de la géographie et de l'histoire. Et en parlant, en disant que les humains ne sont pas tous sortis d'un seul être humain, ben, il a aussi tordu une parole de l'Écriture qui dit dans Actes chapitre 17, justement, que je veux prendre, parce qu'on a vraiment besoin du temps pour démonter toutes ces niaiseries, parce que ça affecte quand même beaucoup de gens qui ont suivi cela, ça peut les détruire. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Voilà ce que l'Écriture nous dit au verset 26. « Et il a fait habiter sur toute la face de toute la terre. » Et il a fait habiter, nous dit la parole, sur toute la face de toute la terre, toute nation d'humains sortie d'un seul sang. D'un seul sang. Donc, l'Écriture nous dit que tous les humains sont sortis d'un seul sang. Et dans Apocalypse, dans Genèse chapitre 3, on nous dit que Kava, donc, ou Ava, ou Ève, est la mère de tous les vivants.
Voilà ce que l'Écriture nous dit. Donc, il est en train de raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et dire aussi que les couples mariés, n'est-ce pas? Et je précise, l'homme et la femme. Parce qu'aujourd'hui, le mariage ne veut plus rien dire. Hein. Donc, l'homme et la femme mariés et qui ont des rapports, n'est-ce pas, sexuels, même en dehors de l'ovulation, pêchent. Mais c'est une hérésie également. Complètement. C'est une hérésie parce que vous avez des femmes qui ne peuvent plus ovuler, qui sont stériles, qui sont malades. Donc ces femmes-là, on va leur interdire d'avoir des rapports sexuels avec leur mari. Mais parce ça, c'est, que, c'est parce la folie. Que, oui, justement, je dis que ça a été fait que le rapport sexuel n'existe que pour la procréation. Mais justement, il y a des femmes qui ne peuvent pas procréer. Et des hommes également. Des hommes qui n'ont plus, qui ont des problèmes de prostate. Il y en a même qui ont subi une ablation de prostate. Qui ne peuvent plus, n'est-ce pas, sécréter, n'est-ce pas, de spermatozoïdes. Et on va condamner ces hommes-là? Non, ça c'est une prédication, c'est un évangile qui condamne, qui renverse, en fait, l'évangile du Seigneur, qui pense renverser l'évangile que Jésus-Christ a apporté. Justement, nous parlons du réveil. L'Afrique, dans les années 90, on a parlé ici du réveil, etc. Mm-hmm. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à parler du réveil, mais on voit que les choses ne changent pas. Par exemple, la Bible est source de contradictions, mm-hmm. est source... voilà. Et on se demande en fait à quel sens se vouer, qui croire. Aujourd'hui, vous-même, j'ai par omission laissé ma Bible que vous m'avez remis à une époque à la maison. J'aurais dû l'emmener ici parce que votre Bible, vous avez, est-ce qu'il faut dire le mot créé, vous avez refait votre Bible. Ça explique tout ce désordre que nous voyons ici. Non, mais en fait, le désordre n'a rien à voir avec les lettres sacrées. Et bien avant pourquoi, que... Pourquoi avoir changé? Pourquoi n'avoir pas gardé? Très bonne question. Alors, très bonne question. Je dirais ceci. Vous savez, et, les textes originaux pour les livres de Genèse à Malachie ont été révélés, communiqués aux humains en hébreu. Une petite partie en araméen. Et de Matthieu à Apocalypse en grec. Donc, le problème que l'on retrouve souvent, c'est... au niveau de la traduction, n'est-ce pas? C'est que des humains mal intentionnés se sont appropriés les lettres sacrées et les ont traduites, ayant subi l'influence de leur culture, de leur pays, de leur tradition. Et vous savez certainement aussi que ces écritures ont été complètement occidentalisées. Et on a aussi malheureusement blanchi, ils ont blanchi certains personnages bibliques. Par exemple, là où l'hébreu dit que David était roux, eux, ils disent blond. Là où, dans lamentation de Jérémie, Cantique de Cantique, pardon, verset 1er, la Sulamite dit, je suis noir, littéralement, je suis noir, je suis noir, je suis belle fille de Jérusalem. Eux, ils rajoutent, je suis noir, mais, comme si le fait d'être noir est un synonyme de laideur. Donc, ils ont fait des traductions complètement ambiguës et très tendancieuses. Voilà pourquoi nous avons, par l'ordre du Seigneur, fait cette nouvelle traduction pour rectifier les choses. Ils ont également colonisé les personnages bibliques. Par exemple, Jésus, son vrai nom, c'est Yehoshua. Josué, c'est Yehoshua aussi. Donc, Yehoshua, l'hébreu Yehoshua, a été traduit en français de deux manières, par Jésus et par Josué. Donc, on a restitué tout ça. Par exemple, Yaakov, l'hébreu Yaakov, a été traduit en français par Jacob, n'est-ce pas, et Jacques. Donc, on a restauré tout ça. Donc, les textes originaux n'ont pas de problème. Ce sont les traductions. Et au choix, votre maître, votre Seigneur. Avec choix. C'est un métis? Pas du tout. Ça, c'est aussi une hérésie. Il est africain, noir, blanc, en fait. Non, c'est une hérésie également. Qu'est-ce qu'on en sait, justement, au sujet En fait, nous avons quelques informations selon la parole. Et nous savons qu'il est né en Israël. Vous nous proposez les photos de Jésus, on va montrer à la porte. Il est né en Israël. Et je tiens à préciser qu'il y a 2000 ans, parce qu'il était là sur Terre il y a 2000 ans, donc physiquement. Et il y a 2000 ans, il n'y avait aucune photographie, aucun photographe. Donc, tout ça, ce sont des hérésies. Et, il y a des peintres qui ont été inspirés. Complètement, ils étaient possédés par le diable. Ah, d'accord. Parce que le Seigneur a interdit justement la reproduction, la production des images. Donc, celle-là, cette image. Ah, ben ça, c'est complètement. Ça, c'est le Jésus occidental. Ah, d'accord. Okay. Pour nous imposer justement une autre la image, culture occidentale. Vous voyez? Donc, et dans nos ancêtres, ben ça, c'est le Jésus africain. Et ben ça, c'est aussi une invention des hommes. Complètement, parce que qui était là il y a 2000 ans pour voir comment il était. D'accord. Voyez. Donc vous avez un maître que vous ne connaissez pas. Ah si, je le connais. Grâce à son esprit, je le connais parce qu'il s'est révélé. Il se révèle. Je le connais par les écritures sacrées.
Je le connais parce qu'il s'est révélé, et je le connais aussi grâce à sa création. Parce qu'en observant la création, comme la parole le dit, on découvre la grandeur du Créateur, justement. Dans Psaume 19, David dit, « Les cieux relatent la gloire de Yahweh. » Voyez ? Donc, nous connaissons le Créateur par ses œuvres. Le Créateur, c'est toujours lui, Yahushua. Mais bien évidemment, parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus qui nous disent que leur prophète est le dernier, le seul véritable prophète, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Comme Branham. Il y en a plein d'autres, Et moi, je dirais ceci. On se base sur les lettres sacrées. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45, voici ce que l'Écriture nous dit. « Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. » Donc nous apprenons ici qu'il y a eu un premier être humain. Donc le terme utilisé ici, c'est anthropos, dont l'équivalent hébreu, c'est Adam. Donc le premier anthropos, le premier être humain, c'est Adam, un homme tiré de la terre, et le dernier être humain, c'est bien sûr Yehoshua HaMashiach, donc Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est important de souligner ici qu'il y a un terme grec, le terme grec que je vais mettre en exergue, utilisé par Paul, est un terme très, très particulier. Il a utilisé le terme grec eschatos, eschatos qui a donné en français l'eschatologie. Alors, eschatos veut dire dernier dans une série des choses, d'accord ? Il y a eu le premier homme, et il y a eu d'autres hommes après lui. Et ensuite, Jésus est... Je peux avoir une Bible là, une autre Bible comme ça. Jésus est, Yehoshua est le dernier. Donc, le dernier. Ça veut dire qu'à part Jésus-Christ de Nazareth, qui est le dernier être humain, il n'y a pas d'autres humains qui devaient venir pour nous sauver. Voilà pourquoi dans Hébreux, chapitre 1er, la parole nous dit ceci. Après avoir, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Elohim, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Le verbe ici était au temps, aéros. Et l'aoriste est un terme grec qui met l'accent sur, c'est un terme qui donne en français en fait l'imparfait. Donc le temps imparfait. Donc ça veut dire que c'est du passé. Donc le Père Céleste nous a déjà parlé par le Fils. D'accord ? Donc, il n'y a pas un autre prophète qui devait venir pour nous parler. Donc, Jésus est venu clôturer la liste des prophètes censés amener l'humanité au salut. Voilà pourquoi dans Actes 4 et 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. La parole est claire là-dessus. En aucun autre. Ni en Simon Kimbangu, ni en Mahomet, ni en un quelconque Ngunza, ni à Branham qui est né en 1906. D'après ce que son disciple est, n'est-ce pas, vient de le dire. Sa créature. Donc, ça crée. Non, pas du tout, parce que Branham n'a rien créé. D'accord ? Il n'a rien créé. Un créateur qui est venu sur Terre en 1906, il a créé quoi ? Un créateur qui a péché. Jésus a péché ? Bien sûr, il a péché. Comment ça ? Branham a péché comme tout être humain. Il est né dans le péché. Il avait un père biologique, une mère biologique. Jésus est le seul être humain à n'avoir jamais été conçu avec le concours d'un être humain, d'un homme. Non, on nous a dit ici que... C'est une invention. Marie avec Jean, quelque chose comme ça. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que cet homme, il faut savoir s'il est... D'ailleurs, d'emblée, il est possédé. Je me demande s'il n'a pas bu le Nsamba, vous savez, le vin de palme. Et il mérite d'être enchaîné et délivré de force. Hein? Parce que c'est comme la dernière fois le Ngunza qui était venu ici. Hein, et le Branhamiste qui est venu, qui est parti avec la photo de Branham, oui. En pleine émission. Vous voyez ? Ça, ce sont des gens qui boivent de l'alcool, qui boivent du Nsamba, qui boivent toutes sortes de mélanges, le toko, tout ça, tout est un mélange compliqué. C'est un problème, l'alcool ? Et qui viennent déblatrer des niaiseries ici. L'alcool, c'est un problème. Qui tombe malade, on verra s'il ne va pas ou ne va pas aller à l'hôpital là-bas pour se faire piquer. Hein ? Vous savez que dans la Bible, le Seigneur avait demandé, Elohim avait demandé au prophète Esaïe de demander au roi Ézéchias qui souffrait d'ulcère d'appliquer des figues sur son ulcère pour être guéri. Vous savez, dans la Bible, Paul avait demandé à Timothée qui souffrait d'estomac de boire un peu de vin, le fruit de la vigne, pour être soulagé. Donc, le Créateur n'est pas contre la médecine parce qu'il y a des médicaments qui sont à base de plantes. Et ce monsieur, ce qu'il oublie, il oublie que quand il mange correctement, il se soigne en même temps. Et c'est une manière de se soigner par des médicaments naturels. Quand tu manges, par exemple, de l'avocat, l'avocat est une bonne graisse, ça peut aider. Ah oui, lui, il prend ça, mais ce qu'il interdit, c'est d'aller à l'hôpital. Mais non, mais il y a des médicaments où on retrouve des protéines d'avocat dedans. Mm-hmm.
Donc ça n'a aucun sens ce qu'il raconte là. L'intelligence que ces hommes, que les humains ont, ont reçue pour fabriquer des médicaments, ça vient d'où? Ça vient pas du diable. S'il a des enfants, ses enfants, ils naissent chez lui. Moi, j'aimerais bien qu'il me dise s'il n'a jamais été, si sa femme n'a jamais accouché dans une maternité. Il dit avant c'était comme ça, mais depuis qu'il a. Mais depuis qu'il a quoi? Il a découvert son créateur. Mais comment ça? Comment a découvert son créateur? C'est n'importe quoi. Branham lui-même, il est où? Dans un hôpital. Hein? Comment un créateur peut naître dans un hôpital? Mais ça, c'est l'hérésie. Il connaît même pas l'histoire de Branham, son soi-disant créateur. Un créateur qui est sur une photo qu'on porte. Ah, il est là. Hein? Non, avec la colonne de feu. Mais ça, c'est la colonne de feu. Quelle colonne de feu? Hein? Vous savez, on peut faire toutes sortes d'inventions avec les photos. On peut faire, avec Photoshop, on peut imaginer toutes sortes de choses. Branham lui-même, dans le premier temps de son ministère, dans les débuts, il a prêché Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché en disant qu'il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ, au départ, avant de s'égarer. Voyez? Donc il y a beaucoup d'hérésies. Et c'est pour cela que nos pays aussi, nos pays vont mal, parce que vous avez toutes sortes de gens à cause de la souffrance. Peut-être à cause du soleil qui tape trop sur le cerveau, et le cerveau commence à dégouliner, et ils viennent déblatrer des niaiseries à longueur de journée. Voyez, vous avez des gens qui se disent des croyants et qui passent leur journée à boire de l'alcool, à donner de l'alcool même aux enfants de 2 ans. Ces gens-là méritent d'être en prison. D'accord, alors, apôtre Chorakwetu, question quand même, question qu'on ne vous pose pas souvent, question banale, question bête, mais juste une curiosité. Depuis quand vous êtes dans le ministère? Depuis quand? Oui. Depuis l'âge de 5 ans au moins. Vous avez ces révélations? Que le Seigneur m'a parlé, oui. Il vous a parlé depuis l'âge de 5 ans? Tout à fait. Avant d'être... Bon, c'est vrai que vous n'avez pas de dénomination, vous n'avez pas d'église comme telle. Avant de créer votre mouvement, puisque vous êtes... Je n'ai rien créé du tout. Bon, avant ce mouvement... Mais on se comprend, oui. Avant ce mouvement, est-ce que vous n'avez pas fréquenté une église? Si. J'ai cherché le Seigneur comme tout être humain. Hein. Justement. À 8 ans, 5 ans, pardon, je parlais déjà du Seigneur. Mais à l'âge de 15 ans, le Seigneur m'est apparu. D'accord. Voilà. Et avant ça, je cherchais le Seigneur dans les assemblées, chez les baptistes, les pentecôtistes avant, les témoins de Jéhovah, l'islam, tout ça. On a cherché. Hein, on a cherché partout. Mais en fait, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai compris que Jésus, quand il était sur terre, il n'avait jamais prêché une religion. Il parlait de la relation. Voyez la différence entre Jésus et les autres religions. On vous dit qu'il y a des religions qui vous disent que pour prier, pour être exaucé, il faut prier en direction d'une ville. Mais les pygmées dans nos forêts ici, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le sens d'orientation. Ils n'ont pas de boussole. Ils vont faire comment pour prier en direction de cette ville? Il y a des religions qui vous disent qu'il faut laisser pousser la barbe. Les hommes qui ne sont pas velus, ils font quoi? On les condamne parce qu'ils sont nés sans barbe, parce qu'ils n'ont pas de barbe? Donc vous voyez que Jésus est au-dessus de toutes ces considérations. Il n'a pas prêché toutes ces choses-là. L'objectif de votre ministère, c'est quoi? Notre objectif, c'est que le monde entier connaisse le seul nom qui sauve. Le plus grand message que nous avons, que nous ayons, que nous prêchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas de salut en dehors de lui. Il n'y a pas un seul prophète qui était mort et qui est ressuscité. Il n'y en a pas. Ils pourrissent, ils sont tous en train de crever. Et il y a des religions qui vous disent, il n'est pas mort à la croix, mais il a été enlevé. Donc, il reviendra. D'accord, il va revenir. Il va revenir. Il y a des religions même qui reconnaissent. Chez les bouddhistes, ils disent que Jésus-Christ est le plus grand maître. Est-ce que Jésus-Christ reviendra? Mais bien sûr, la parole le dit. On l'a attendu à l'an 2000, il n'est pas arrivé. On continue un d'attendre. Un jour pour le Créateur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Il revient quand? Il est hors du temps. Nous ne connaissons pas le jour exact où il va revenir, mais nous savons, au vu de ce qui se passe dans le monde, d'après la prophétie biblique, nous savons que le Seigneur n'est plus loin. La parole nous dit que, mais avant son retour... En 90, on a dit qu'il n'est plus loin. En 2000, on a dit qu'il n'est plus loin. En 2010, on a dit qu'il n'est plus loin. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. On n'a pas la même notion de temps que le Créateur. Le Créateur est hors du temps, justement. Et hors du temps. Et nous savons, d'après les éléments mondiaux, les événements mondiaux, tout ça, vous savez que nous sommes pratiquement en pleine troisième guerre mondiale. Avec le conflit entre la Russie, voilà, et l'OTAN. Donc nous sommes en pleine guerre, enfin au début de la troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, et les Écritures nous le disent. Vous savez que nous sommes dans un temps où il y a la confusion, on ne sait plus, il n'y a plus la notion de genre. Lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu les mêmes théories, avec la guerre d'Irak, il y a eu les mêmes théories. En fait, on est dans les éternels reconnaissements. Là, on a atteint quand même des degrés dans les escalades, hein, on a atteint des degrés inégalés, depuis que l'homme est l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, rien qu'avec l'arsenal nucléaire que possède la Russie, près de 8500 têtes nucléaires, s'il y a une guerre nucléaire, rien qu'avec ce que la Russie possède, la Terre peut être pulvérisée, littéralement, plus de 33 fois. Donc voilà pourquoi nous disons qu'au vu de tout ça, et au vu de l'immoralité croissante dans le monde,
le Seigneur Yehoshua HaMashiach n'est plus loin. Et vous baptisez dans... Dans l'eau, oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yehoshua HaMashiach, oui. Comme la parole le recommande. Aujourd'hui, moi, il y a 32 ans sur Paris, j'étais un caïd. Je faisais partie des premiers Zoulous d'Île-de-France, armés jusqu'au dents. J'avais un Magnum 357 automatique, avec boucle d'oreille. Au collège, on était parmi les gangs les plus craints de Paris. Parce que, arrivé en Europe, bien sûr, je suis tombé dans la délinquance, tout ça étant très jeune mineur. Personne ne m'a prêché Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne parlons pas de la religion. Nous parlons de la vie. C'est pour ça que nous ne voulons pas avoir des débats théologiques. Vous avez vécu Jésus-Christ un peu comme l'apparu à Paul. Si les gens veulent nous confronter, nous disons qu'ils n'ont qu'à amener un aveugle, ils n'ont qu'à amener les sourds, les malvoyants, et que leur Elohim les guérisse. L'Elohim qui va guérir, c'est celui qui va être adoré. Parce que nous prêchons celui qui agit. Alors, malheureusement... Les aveugles voient, les sourds entendent. Nous sommes à la fin. Qui suis-je, moi, pour procéder, pour faire des miracles comme ça? Nous sommes à la fin de notre entretien. J'aime trop cette Bible. En fait, c'est combien de pages? Il y a près de, il y a plus de pages, il y a plus de 1500 pages. Lesquels ont rédigé cette Bible? Il y a moi, il y a l'équipe que le Seigneur nous a donnée, et il y a de blancs, de noirs, de jaunes. Et je tiens à souligner une chose, un fait. Ma femme est française de souche, elle est blanche, et nous avons trois enfants métis, et je peux te assurer que ce sont des enfants du Seigneur. Et les métis, comme les noirs, comme les blancs, comme les marrons, comme les chocolats, comme les arabes, comme les rouges, qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, en lui, sont sauvés. D'accord. Donc, on ne va pas condamner les gens. Et une chose que je vais relever rapidement, quand il dit que Moïse était né de l'inceste, quand on dit que ses parents, tous les deux, étaient de la tribu de Lévi, mais c'est simple. Ce monsieur, s'il est par exemple Mokongo, son ancêtre était Mokongo, non? Donc, si sa femme est Mokongo comme lui, ou Mungala, on va dire qu'il est à l'inceste. Non. D'ailleurs, les premiers... Adam, ses enfants se sont mariés entre eux. Donc, l'inceste à l'époque était permis pour donner au monde Merci, ce que nous sommes. Apôtre Chirakwetu, merci d'être à Brazzaville. Vous êtes là depuis quand? Depuis avant-hier. Et nous serons tout à l'heure, rapidement, oui. à partir de 15h30, à la préfecture de Brazza. Donc, on a une réunion de réveil qui a commencé hier. Qui concerne tout le monde. Qui concerne tout le monde. Tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout Même le monde. Lui peut venir goûter la parole du Seigneur. D'accord. Vous êtes Il passé, sera délivré. Vous êtes passé chez votre frère à ICC Non, je ne peux pas aller là-bas parce que là-bas, c'est l'argent. C'est la Comment dîme, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les gens qui sont arnaqués à longueur de journée. C'est la plus grande église on dit, aujourd'hui. La dîme, c'est la loi de Moïse, il ne faut pas la payer. ICC, c'est la plus grande patrons, église aujourd'hui. Ce sont des patrons, des chefs d'entreprise. Vous avez vu Jésus? Il n'y a pas Jésus là-bas. Il n'y a pas Jésus là-bas. Il est au choix. Mais il n'est pas là, c'est le diable qui est là-bas. Où c'est ICC? C'est le diable qui est là-bas, c'est l'argent. Est-ce qu'on a fêté l'anniversaire de Paul, de Pierre, Jacques et Jean? Est-ce qu'ils ont construit des bâtiments d'église? Ils ont négligé les hommes qui sont les véritables temples pour construire les temples à coût de 65 millions d'euros comme en France là-bas. Alors qu'à Brazzaville, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Il y a des enfants qui se retrouvent à la rue. Ces gens-là n'arrivent pas à construire des hôpitaux pour les soigner. C'est quoi cet évangile? La parole nous dit dans Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Elohim consiste à aider c'est quand les gens. C'est quand même la maison de Dieu. C'est quand même la maison de Dieu et elle doit rayonner. La maison d'Elohim, c'est nous. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Eux, ils négligent les véritables temples pour construire des temples avec des briques qui vont rester, qui seront détruits. Ça, c'est une hérésie. Voilà. Et voilà pourquoi, à cause de ces gens-là, vous avez des individus pareils qui déblatent des niaiseries. Donc, ce ne sont pas des églises de rêve, ce sont des églises mortes. Et nous ne disons pas aux gens, venez chez nous. Mais allez vers le Seigneur Yehoshua HaMashiach pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup, le frère Chirakwetu. Que le Seigneur soit béni. Tout de suite, nous irons à la préfecture de Brazza. Avec joie. C'est le dernier. Vous êtes invité. D'accord, je serai là. C'est le dernier jour. Le dernier jour. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes sur Brazzaville pour combien de temps? Je suis là jusqu'à mercredi. Bon, on va encore faire une émission avec grand public. Donc, nous allons faire l'annonce. On va voir le programme avec l'apôtre. Nous allons faire une émission grand public pour poser des questions à l'apôtre. Nous allons enregistrer peut-être le lundi ou mardi. Avec joie. Merci beaucoup. Merci. On applaudit quand même. Le Seigneur. Le Seigneur. Voilà, c'était sous 210. On aimerait bien que vous soyez en face de Bonhomme Rana. Pour lui dire, en face, que vous nous sentez. Il risque de peut-être délivrer en direct, il n'y a pas de problème. C'est à ce risque et péril. Merci beaucoup. Merci.